Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane, on se retrouve pour la fameuse annonce du stream de Rise of Iron ce mardi. Donc bien sûr, je serai en stream toute la journée, comme pour tous les DLC de Destiny. Donc ça commencera entre 10h et 11h, je sais pas encore exactement, l'idéal c'est 10h si je suis au taquet, réveillée, en forme et prête à streamer et à patienter avec vous pour la sortie de ce DLC. Il se peut que ce soit un petit peu après, voilà, ça dépend aussi, hein, y a toujours des petits soucis techniques qui arrivent au mauvais moment ou ce genre de choses. Donc on verra, mais on va essayer tout du moins à 11h, c'est sûr, on est en live, ça, y a pas de souci. Donc suivez-moi sur Twitter, Facebook pour être prévenu de quand ça commence exactement, hein, puisque je poste une annonce sur les réseaux sociaux. Ensuite, le live, bah, il va durer toute la journée, je sais pas jusqu'à quand. Hein, l'idée, c'est vraiment de jouer, j'ai envie de jouer un maximum de toute façon à l'extension. Après, arrive une limite de résistance physique à un moment ou à un autre, souvent vers en fin de soirée, hein, donc on verra ce qu'il en est. En théorie, je commencerai la découverte de ce DLC avec Assassin et Puxian, qui seront là dès le début. Ensuite, on verra s'il y a des switches éventuels avec d'autres personnes du clan. De toute façon, on est tous très hypés par cette extension. Et j'anticipe, hein, puisque comme à chaque fois, je sais qu'en commentaire, je vais avoir « Mais oui, mais moi, je joue au jeu, donc je ne te regarderai pas. » Mais il n'y a pas de souci. Alors déjà, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Et si je stream toute la journée, c'est aussi pour que vous passiez quand vous voulez, quand ça vous convient. Si vous êtes au taf, si vous êtes à l'école et que vous avez une pause, etc. Puisque bien sûr, tout le monde n'est pas forcément libre cette journée de mardi pour découvrir le DLC. Je comprends aussi que vous vouliez pas forcément vous spoiler, il n'y a aucun souci. Moi je fais le stream parce que j'ai envie de découvrir ce DLC et que j'ai envie de le découvrir en live. Puisque bah, c'est mon kiff les lives, tout simplement. Et la magie de la télé, normalement sur votre écran, vous avez un code qui est affiché, qui est donc offert par MasterDamned62, donc un de mes abonnés, qui a obtenu un code pour les bonus de précommande sur PS4. Donc c'est un code pour la PS4, pour les gens qui n'auraient pas les bonus de précommande, si bien sûr, si vous avez préco Rise of Iron, ne prenez pas ce code, ça ne sert à rien, et ce sera donc premier arrivé, premier servi, donc bonne chance à vous. Et arrive donc la seconde partie de cette vidéo, puisqu'il y aura donc les giveaways, demain, je pense faire ça au moment des pauses, hein. Ceux qui suivent mes lives savent qu'il y a donc des pauses d'environ 5 minutes. Il y aura donc tirage au sort. Les participations seront ouvertes sur le temps des pauses, et je ferai tirage au sort à la fin des pauses. Donc il y a des dotations qui viennent de PNY, hein, mon partenaire pour les streams, ça je sais exactement ce qu'il y a. Donc il y a 6 power packs, vous savez ces batteries que vous emmenez, hein, batterie portable que pour recharger tous vos appareils type téléphone, tablette, etc. Il y a 2 clés USB, 2 casquettes et 2 souris comme la mienne. Donc il fait partie de la gamme des produits XLR8, qui est la gamme gaming, hein, de PNY, et qui constitue une partie de mon PC d'ailleurs. Et ensuite, il est fort probable qu'il y ait des dotations qui émanent de chez Activision, mais je n'ai pas encore les détails, donc je voulais pas vous faire cette vidéo à pas d'heure, hein. Le but c'est quand même que vous soyez au courant pour la plupart d'entre vous, et on va pas forcément se coucher tard ce soir, puisque on attend le DLC avec impatience. Donc voilà, de toute façon, je serai fixée bien sûr pendant le live de demain, on en parlera peut-être au début du live, du coup je vous montrerai peut-être les différentes choses que je vais faire gagner au cours de la journée. Voilà, ça agrémente le live, je trouve ça assez sympa, merci à eux. Et puis du coup, bah, je vous retrouve demain, en pleine forme, je l'espère. La hype est présente, je vous dis à très vite.